sa femme qui du côté de Sainte Lucie, c'est la deuxième, salut le serviteur de Dieu, que bon Dieu capable de restaurer servante là, pour apporter le bien au bon Jésus en guérison. On a salué aussi la sœur Christella du côté de Brooklyn, bon Dieu bénisse servante là. Et m'a salué l'autre serviteur qui du côté de Fort Myers, moi-même fait réclame pour Adieu, c'est hein? Travail. Ben. Donc tout le monde capitaine de nous matin me salue nous à la gloire de Dieu. Et m'a profité saluer la sœur de Rousseau. Encore, mon Dieu bénisse servante là matin côté de deux prêcher là. Et bon préparation de faire un texte dans Somme 11, c'est de Rousseau son génie. Donc m'a pas elle ka bon raison qui fait m'a elle m'a chercher lui. Donc bon Dieu li ka vinn en l'autre moment. Et parfois m'kan a cherche un bagage mal prêcher, me préparer les plus bawel. Donc c'est ça peut-être ma, pas peut-être c'est ça bon Dieu vle matin. Hein? Li gon raison et bon Dieu grand monde li kon cœur, li kon tout monde k'ap tande, ça moi ça me pa wè, ça me connaît, ça me pa connaît. Donc on ouvre Bible nous avec moi matin hein? Dans Matthieu chapitre 14. Oh, nous dis merci tout tes prières pour moi, je passe 3 jours de conférence du côté de cette ici. C'est une bénédiction spéciale. Et prier pour nous, on a commencé dimanche prochain. Ça dans Miami, mais et grâce bon Dieu, depuis nous capables de prêcher, si nous tout fatigués, nous avons break. Si nous pas de tout épuisé quoi. Bon Dieu, ben nous continuons à prier pour nous. Donc, nous avons une lecture là dans Matthieu, chapitre 14. Nous avons commencé à partir du verset 22 jusqu'au verset 31. Ou, capable verset 33 même. Mais alors, comme je vais considérer, on va prier dans verset 31. Matthieu chapitre 14. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il montait sur montagne là pour la prier, il mettait la part, et comme soit la tégante en vini, Jésus t'est trouvé le seul. Et bat la tête déjà dans mitan la mer, il était quand frappé par une série de coups de flamme, coups de lame lambé, et vent vini non sens contraire. Dans la quatrième veille nuit là, Jésus a allé bon côté où il t'a marché sous la mer. Et les disciples ouest l'a marché sous de l'eau, n'est que troublé, c'est normal, et ont dit ça son zombie. Et dans fouillé yo, yo le pi mal qu'on femme t'a poussé petite. Et bah, terrible, les gars sont à brûler. Jésus dit, même Léa, nous pas besoin de pain, c'est moi. Verset 28 là, puis elle lui même continent dingue, il remet qu'on elle remet ou elle remet bah, démonstration, il dit, si c'est vous même, et pour bon l'autre, tout pour venir, je nous sous de l'eau. Jésus dit, même pas de problème, non, mais de venir, oui. Puis elle sortit dans le bac là. Aïe, papa, il marchait sous de l'eau pour la rejoindre Jésus. Verset 30, mais, les monsieur gardé, c'est pas dans le rêve, c'est pas dans le dormi, ouais, c'est tout bon, c'est sous de l'eau, la marche, il connaît l'homme pas fait pour le marcher sous de l'eau. Et le vent vient plus fort, ah, la paix envahit, monsieur. Hey! Et puis, monsieur commence par enfoncer dans de l'eau, monsieur crié, Seigneur, sauvez-moi, non! Sauvez-moi, non! Même les à Jésus étant de mêlée, lui prend monsieur et il dit, d'un nom, monsieur, que m'a besoin pour travailler, mais n'est-ce pas qu'on t'y cale froid? M'a qu'on pas même froid cabrit ou bois froid bœuf, m'a qu'on qui froid lié. M'sieur qu'on t'y cale froid. Parce que m'sieur était douté. Que mon Dieu n'a grâce, lui, capable de bénir parole ça, pour édification d'âme chacun de nous. Parlez, Seigneur. Fais-nous grâce, m'a coûté où? Éclairez-nous. Acquittez-nous seuls. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Matin, sujet, méditation, parole nous, parole bon Dieu, hein, disons mieux, gardez la foi, malgré la force des épreuves. Voilà le sujet que le Saint-Esprit nous a confié, pour même captant des matins, hein. Gardez la foi, malgré la force des épreuves. Matin, m'a connu qui épreuve, vous voyez? Bah, mais prêcher tout le temps si l'Esprit de Dieu pas commandé pour mal non texte. Parce que bon Dieu m'a différents types de messages. Bah, bon, c'est une série de messages, non? Mais l'élevlon, bah, il me soumet moins parce que le grand monde, il a autorité pour le faire parce qu'il connaît au monde qui vit mon moment.
Il y a un servante, un serviteur qui commençait à garder la foi et qui besoin continuer à garder foi. Et malgré l'épreuve, il continue à monter. Mais Jésus n'a jamais fait trop de silence pour le baba en signicule là. Donc, sujet nous matin, garder la foi malgré la force en des épreuves. C'est extrêmement important. Dans ce passage que nous sommes fait lecture pour vous à tête reposée, moi découvrir par le Saint-Esprit plusieurs secrets qui capables de nous même matin captant de loin ou de près à garder la foi, malgré la force en des épreuves ou des problèmes. Le collège apostolique ce soir-là, Monsieur trouvé sur la mer démontée, sous une mer tumultueuse, sous une mer qui révélait la situation chaotique dans laquelle se trouvaient les disciples. La mer l'a démontée, et à cause de la faillite de la foi des disciples, ils n'ont pas pu voir Jésus marchant vers eux sur la mer. Attention, la foi du collège apostolique fait faillite. Et en raison de la faillite de leur foi, monsieur n'est pas capable de voir Jésus qui a marché vers eux-mêmes sur la mer. Ou alors fait faillite de la foi, même les Jésus a venu jouer nous, même les Jésus a marché en direction de problèmes ou en direction, parce que chaque monde capitaine de là, Jésus compte quand on était. Jésus compte douleur, Jésus compte maladie, Jésus compte situation qu'on pas qu'à dire la veille là, Jésus compte maladie a devenu archi chronique, Jésus compte bon bagay ou a traversé, lui compte ou a tenu, lui compte ou a tenu cantique de joie, lui compte ou a tenu promotion, ou a tenu visite. Mais l'on fait faillite dans la foi, lui très difficile pour détecter que Jésus cap marché en direction vers vous-même. Et c'est ça que fait l'évangéliste Matthieu nous rapporte ce qui suit, surtout le verset 24, dans Matthieu chapitre 14, texte a dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. Pas oublier, la barque ici symbolisait le chrétien qui vit dans le monde, très important. Au milieu de la mer lui symbolisait le monde, l'agitation populaire et tumultueuse. Oh, gagnez là, tout vous n'avez pas de problème, non? Ou pas qu'à sortir la donne? Ou vous envie de quitter ça, ou pas qu'à quitter ça, parce que c'est pas mener tête ou la donne? Ou trouver au bon milieu de problème, non? Et non seulement tout vous n'avez pas de problème, non? Ou battu par les flots, ça veut dire situation, la vie, elle bat tout le flot, après, gagnez les chrétiens qui ont beaucoup avec la vie. Gardez-les nous quand pour coup, n'a pas coup, n'a pas coup. Gardez les problèmes, ils campent vrai. Gardez les situations, ils campent vrai. Ou quand on obtient nos délivrances, ou obtient nos guérisons, ou obtient nos soulagements, ou obtient nos mandats de la part de Dieu, dit qu'on fait silence. Là, vous, qu'on bâtit par le flot. Et ça pire de la Matthieu, vient au dernier bagaille. Car le vent était contraire. A gardez les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, captant de mieux, vend la vie à qu'on parle, qu'on a poussé en sens contraire. Gardez les obtient bon Dieu à droite. Et pour vont envoyer à gauche. Gardez les wapten bon Dieu à gauche, vont envoyer au mi-temps. Gardez les wapten ni derrière, li paraît devant. Gardez les wapten ni devant, li paraît derrière. Gardez les wapten ni à gauche, li paraît à droite. Gardez les wapten ni à droite, li paraît à gauche. Chaque monde qui attend dem là, le vent de la vie, certaines fois, li kan souffler dans sens contraire. Gardez bagay, c'est pas l'ou t'attend mon rôle la donne. Il y a des situations à traverser où on vit quitter le monde, pas qu'à quitter le parce qu'on n'a pas de pouvoir pour étudier tout la donne. Eh bien, voilà exactement ce soir-là, sur la mer démontée, à cause de la faillite de la foi du collège apostolique, monsieur n'est pas capable de voir Jésus qui a marché vers eux-mêmes sur la mer, selon Matthieu chapitre 14, verset 24. Et puisque on n'est pas capable, mais on ne va pas quand même. Attention, oui, là où on fait faillite de la foi, c'est plus gros danger capable de vivre chrétien. Là, on fait les fois menacés pour les fondrer. Là, on fait faillite. Oh, mais si on pague la foi pour y avoir Jésus, mais on a l'autre bagaille, ouais.
c'est que mon démon Dieu courait pour pas faire faillite dans foi. Parce que l'on fait faillite dans foi, pas pour Jésus, et l'on pas pour Jésus, on prend l'autre bagaille. Et qui ça y aurait? Y'a un fantôme. Si on pas pour Jésus, on fait faillite, on prend l'autre bagaille, oui, on prend fantôme. Y'a un fantôme. Et non, les fantômes n'ont pas arrêté. Et monsieur, y'a rempli de frayeur. Elle est remplie de frayeur. Ils ont commencé à pousser des cris. C'est normal de pousser, ou pousser des cris. Ah, c'est bagaille terrible. L'entendre des nègres ont commencé à pousser des cris. Ça me dédouane. L'entendre de ces garçons qui laissent les femmes qui poussent des cris. C'est bagaille qui normal. Parce que les femmes font pousser même pour pousser des cris. Il y a des gens qui comme d'ici, ils ont deux, trois petites garçons, mais ils ont petites filles pour ces petits frères ou mourir pour aller. Ou pas, mais ils ont petites filles pour aller. Parce qu'ils sont servants de Dieu, ils sont serviteurs de Dieu. Ou fait partie de la famille de Dieu. Relé, c'est pas l'idée, non? C'est séparation, c'est ce qui a fait mon crier. Ou pas, mais c'est mon vin relé. Mais l'autre de ces garçons qui a pris les bagages à terre, oui. Ah, des pour un garçon relé, ou mettre qu'on est cassé tout bon, ou mettre qu'on est la patrie est engagée. Parce que garçon, toujours qu'on a pris balle là au fond. Bagage là, qu'on a pris un garçon, on m'a les pour elle a souffri. Et c'est que l'autre ou garçon qui a problème, ou même qui compte pour madame, qui compte pour y faire. Gédé, j'ai marié à saisir, bouillon t'y faire pour lui. Parce que garçon qui doit pas montrer au saisir, le saisir. Bagaille là qui doit frapper le bon bagaille qui vivait dans le foyer ou bien dans la famille, mille frapper. Vous connaissez ces garçons, tous les garçons toujours après mes kembés pour faire, ouais, ces garçons, yo, yé. Mais nous, quand on prend coup fort, oui, nous-mêmes, petits garçons. Et que les femmes, dames, ont préparé Tite pour nous. M'a qu'on si Tite, lié, si c'est Tite bon, m'a qu'on est un petit homme, non plus bon pour femme. Même m'a qu'on est Tite pour Tite, c'est dissement parfois. Vous comprenez? Et qu'il y a des bagailles qui, quand ces garçons ont tremblé, et c'est ça qui fait de la vie, toutes mes dames, yo, des pour qui marient, toujours par le support moral. Si toutefois, elles pas de travail pour qu'on est madame, non toujours avec elle. Parce que c'est pas exprès que nèg la fait pas le travail. Il doit chercher le bras joint. Oh, il doit son autre style, type de travail que mon Dieu bali qui est différent dans la vie séculaire. Donc faut supporter Maria dans la situation. Faut le connaître toujours le chef du foyer. Faut le connaître si c'est dans bon Dieu le met espoir. Bon Dieu pas qu'oublier. Bon Dieu pas jamais qu'on fait mon travail pour le papier. Oh, ou qu'a comprendre l'autre garçon pour s'écrire. Faut le mouvement qui balance support. Faut le mouvement qui pour nous titer pour lui pour nous reprendre ni. Parce que nous pas monter monde qu'on saisit, nous saisit. Mais là, mais alors mesdames, yo pas avec nèg yo madame Pierre pas avec nèg yo pour son cri. Nèg yo pour son cri et l'entend des garçons pour ce cri, c'est pas qui l'est, c'est pas bagarre ou casse des non, c'est pas qui l'est pour gros garçon après l'envoi. Li l'aide monsieur moi même avec vous. Ma calonne, li l'aide Olive, li l'aide pasteur Élisée, li l'aide les garçons après les. Gardez les nous crier dans bouchoir, mais gardez les c'est pas faute nous pas capable empêcher de l'eau à sortir. Ou pouvez me songer de mon frère qui mourit là, monsieur, avant de terre, monsieur, un grand frère, m'était tellement habitué à monsieur. Et puis, je pas qu'à rentrer en dedans, côté au tap, faire célébration funèbre, et puis m'être sous galerie à dehors, dans les grilles, même m'être sous dehors, parce que je me sentis si m'entrer en dedans, m'a tombé. Donc c'est ça, m'était prévoir, m'a tombé, parce que m'était senti, j'aime m'a secoué. Et puisque j'aime m'a secoué, et puis m'était sous galerie, parce que m'pas senti m'gué courage pour m'était capable rentrer. Donc chaque monde qui gon zami, qui gon mari, qui gon fiancé, bal support moral pour que dans mauvais jour, dans expérience, dans déception, dans épreuve, pour le connaître que Ravel. Et voilà exactement ça qui passe, monsieur Discipio. Puisque, y'ont fait faillite, non, foi, y'ont pas qu'à Jésus. Et là, y'ont pas qu'à Jésus qui fait, ouais, y'ont un fantôme. Fantômes dans son zombie. Et dans frayeur, ils ont commencé à pousser des cris. Et qui cri ont poussé? Les a poussé des cris. Là. Quel cri ont poussé? Ce n'était pas des cris de joie. Oh non! C'est pas ton moment pour te pousser des cris de joie. Mais on t'a poussé des cris de désespoir. Ah! Par contre, si matin, on tombait dans le désespoir. Les gars poussé des cris de désespoir. Ils n'ont pas supposé riser nos moments. Côté que ils n'ont pas poussé des cris de désespoir. Ça pas de fait. Mais la vie a hélas. Les gros côté le menéo, les gros côté lui va avec. Peut-être des moun qui poussent un cri de désespoir, ou t'apprends nos guérisons pas jeunes, ou t'apprends nos délivrances pas jeunes, ou t'apprends nos promotions pas jeunes, ou t'apprends nos supports pas jeunes, ou t'apprends nos visites ou pas jeunes, ou t'apprends nos coups de fil ou pas jeunes. Guérez-les, ou nos situations risées, ou on pas guérissoir, ou tellement désespéré, et on commence pas pousser des cris de désespoir. Nous ne comprenons ça, nous pas condamner ou non, même pas d'accord avec. Et ça moutou, ce n'était pas des cris de joie, mais des cris de désespoir. Et les moussiers ont commencé à pousser des coups de désespoir. Pas oublier, monsieur n'ont pas crié à Dieu non plus pour leur délivrance. Même les a poussé des coups de désespoir, monsieur n'ont pas crié à Dieu. Ils n'ont pas crié à Dieu, ils ont parlé les dieux, parlé les Jésus, parce qu'ils ont parole. Et qui s'est passé? Leur cri de désespoir, l'Ipral traduit, n'est-ce pas? Leur oubli de la toute-puissance de Dieu. Où elle est moi-même avec ou pousser des cris de désespoir? Cri de désespoir, lui traduit que nous oublions l'appel que mon Dieu t'a lancé avec nous.
li traduit que nous oublions l'expérience que bon Dieu t'a fait avec nous. Li traduit aussi que nous oublions que il y a quelques moments c'est intervention bon Dieu t'a ba nous délivrance, c'est intervention bon Dieu t'a ba nous la joie. C'est intervention, mon Dieu, qui fait nous pas noyer dans le problème, non. Mais certaines fois, nous, moi-même avec vous, nous mangeons blié. Et ça que demande, mon Dieu, matin, pour nous blier, manger blié. Chrétien, nous aimons blié. Gardez-les nous relais, c'est parce que nous oublions la grâce de Dieu. Gardez-les moi-même avant, nous oublions quand c'est mon Dieu qui a visité nous. Nous tenons au moment que c'est plus dur, mon Dieu, t'es songé nous. Il t'a nous visite, il t'a soulagé nous. L'aide n'a pas l'opéré, elle t'est là. C'est lui qui t'a servi avec mes siens, elle t'est là. C'est lui-même, la petite, nous t'es dans la prison, t'es délivré. C'est lui-même qui t'a nous job là. C'est lui-même qui t'a soulagé nous. C'est lui-même qui t'a nous la paix. C'est lui-même notre douleur qui t'a porté nous support. Mais qui parfois nous oubliait, nous mettait en oubli l'intervention de Dieu. Nous mettait en oubli la visite de Dieu, nous mettez en oubli la délivrance que mon Dieu te paie en nous-mêmes. Ça arrivait moi-même avec vous. Mais c'est oublié qu'ils étaient disciples d'un Dieu tout-puissant. C'est ça qui passait. Les moi-même avons oublié. Nous vîmes sembler monde qui a flâné. Nous vîmes sembler monde qui pas mettre. Nous vîmes sembler monde nous marcher prêter toute la journée. Nous frapper tout côté. Nous oublier si l'Éternel qui est le Dieu des armées, c'est lui-même qui avait nous. Voilà exactement ça qui arrivait. Mais si oublié si on s'est disciple d'un Dieu tout-puissant qui est toujours disposé à délivrer sujet lieu de leurs épreuves et de leurs problèmes. Maintenant, quand on va rentrer là, on ouait maintenant les secrets pour garder la foi malgré la force des épreuves. Maintenant, nous allons voir les secrets pour garder la foi malgré la force des épreuves. Et secret ça, yo un homme de 6. Mais maintenant, pas trop sentiment forme pour moi tout. Selon côté, mon Dieu fait briser ma brisée. Maintenant, nous prenons les secrets pour garder la foi malgré la force des épreuves. Ils sont un homme de 6. Moun ki gen ti plus moi avec ou, ou qui nous apprend secret yo à le prêcher l'autre côté moi-même moi pas arrivé. Maintenant le premier grand secret pour garder la foi malgré la force des épreuves, deux points. Savoir voir Jésus marchant sur la mer. Voilà le premier grand secret pour garder la foi malgré la force des épreuves. Savoir voir Jésus marchant sur la mer. C'est pour capable qu'on est pour Jésus qui marche sur la mer. Et de nous bagay, si faut faire faillite ou pas ouais Jésus a marché, ouais pour l'autre bagay. Ouais pour l'autre bagay. Et Matthieu rapporté dans Matthieu chapitre 14, le verset 25, qui ça Matthieu dit? Matthieu dit, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcher sur la mer. Mais la façon que Matthieu a présenté, nous, n'est-ce pas, le verset 25, à la quatrième veille de la nuit. Vous pouvez comprendre? Matthieu, vous voulez attirer attention sur la première partie du verset 25. À noter que Matthieu dit, à la quatrième veille de la nuit, Matthieu, ou même qui a un problème, m'bakonne qui veille qu'on y est, ou qui doit attendre bon Dieu, et bon Dieu toujours paraît à la dernière veille. Pas oublier, Matthieu pas rapporté à la première veille de la nuit. À la première veille de la nuit, c'est pas ça Matthieu dit. Oh, ou même avec qu'on est, les théologiens sérieux, honnêtes, consacrés, préparés qu'on est, la veille, la première veille de la nuit, et ma calonne soit attendue, lui commençait de 6h du soir à 9h du soir. Oh, la première veille de la nuit où t'as besoin de Jésus était revenu dans cette situation-là de 6h du soir à 9h du soir. Jésus pas trouvé le nécessaire pour paraître à la première veille de la nuit parce qu'on a énergie toujours ou qu'à rêler, ou qu'à marcher, ou qu'à faire un coup de fil, ou qu'à marcher. Jésus pas paraître. Mais me rappelez aussi, Matthieu m'a dit à la deuxième veille de la nuit. Oh, ou admettre que la deuxième veille de la nuit, lui commençait de 9h du soir à minuit. Jésus était capable à la deuxième veille de la nuit, de 9h du soir à minuit. Jésus pas paraître, et Matthieu pas dit. Docteur au moins, Matthieu t'a dit, Jésus pourrait le paraître à la troisième veille de la nuit. La troisième veille de la nuit, l'a commencé de minuit à 3h du matin. Jésus pas paraître. Mais Matthieu rapporte, c'est très important. Jésus paraît à la quatrième veille de la nuit. C'est de Wissot, capitaine, nos guérisons y ont touché. Ah, c'est la mort, capitaine, nous touché. C'est qui fonde.
c'est il y a n'importe monde capteur de moi capteur nous toucher matin ça me songe non ça me pas songe non Jésus pas venu dans première veille de nuit il pas venu dans deuxième veille de la nuit il pas venu dans troisième veille de la nuit mais bon côté Jésus qu'on est moi avoir nous pas de force encore. Gué à bon côté, nous pas carré encore. Moui à bon côté, nous pas carré encore. Gué à bon côté, si Jésus va intervenir, et mes situations nous, la désespérer. Et c'est pas sans raison. Jésus attend à la quatrième veille de la nuit. À la quatrième veille de la nuit. Ah, le verset 25. À la quatrième veille de la nuit. Ou même matin à Capitaine Jésus, ou qu'à pourquoi il vient à la quatrième veille de la nuit pour là. Ou demandez mon Dieu courage, non. Demandez mon Dieu patience, non. Demandez mon Dieu patience pour étendre, non. Il est bon d'attendre en silence ce secours de l'éternel. Gardez les bon Dieu qu'on besoin programme, non, pour le paraître plus grave. Gardez les, ou pour qu'on ait des traits, ces problèmes qu'on gagne. Oh, la Bible pas j'aime douleur, des problèmes là, des niveaux. Mais la Bible dit les problèmes dans vie, dans détresse. C'est ça que fait l'auteur du psaume 50 verset 15. Il dit, lié qu'on bagaille. Il dit, évoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Gardez-le, l'éternel a peut-être nous un problème, non. Gardez-le, gardez mon depuis mon situation. Le vénère, moi, bon Dieu, viens délivrer. Gardez-le, bon Dieu, va délivrer. Eh, mais c'est un problème, oui. Problème, n'est pas qu'on vienne en détresse. Ou qu'a fait des marches, ou qu'a fait les mounes, ou qu'a écrit, ou qu'a relé. Parce qu'on a fait, ou qu'a fait, ou qu'il y a des ressources qu'on a utilisées lors de la première veille de la nuit. Ou qu'il y a des ressources qu'on a utilisées lors de la deuxième veille de la nuit. Ou qu'il y a des ressources qu'on a utilisées lors de la troisième veille de la nuit. Mais lors, il vient de la quatrième veille de la nuit. Ou gantan utiliser tout ressource ou pas gen moun encore ou pas gen moun ou vin tourner nom nan ki était dans piscine nan depuis 38 ans Jésus dit est-ce qu'on veut guérir monsieur dit pas gen moun alors monsieur t'ai gon problème oui monsieur vin gon problème et nan côté monsieur a que espace là que l'autre problème pour lui oh monsieur oublié si c'est guérison le besoin qu'on a regardé sous l'autre monde lui dit mais c'est moun moi pas gen et mais moi même avant ça quand il vient nous nous tellement regarder société a nous oublié problème nous nous focus sur pas moun matin focus sur problème moi. Matin, focus sur le problème. Jésus qui pour faire intervention. Parce que bon, quand on arrive, on ne peut pas dire rien encore. Bon, quand on arrive, on sent tout casser les os. Mais petite, là, pas qu'à sortir. Oui, et toute femme qui a tant d'aime là, qu'on est là, fait des femmes qui casser les os. Mais pourtant, des femmes qui casser les os. Bon, si de l'eau qui est en placenta, si de l'eau, ça n'a pas ni frais, ni pas ni chaud. Mais pourtant, de casser les os. Faut que les gens quand même en d'elle, ils ne peuvent pas arrêter la mourir. Et mais, qu'est-ce que les gens casser les os, mais on n'a pas de force pour pousser. Et mais, là, on n'a pas de force pour pousser. L'esprit de Dieu qui pour venir d'eux, ou même capteur d'aime là, ou casser les os. Ou qu'un garçon tout ça, ça va la vie à qu'un fort casser les os, oui. Ou qu'on compte au niveau pas casser. Mais d'ailleurs, plus qu'on parce qu'on fait expérience, de pour finir casser les os, m'pas baiser mon nez. Si vous pas casser pour ces petites là, y'a pas obligé de force césarienne, ça va pas baiser arriver là. Et même à tel gué monde qui casse les os, mais l'pas gué force encore, l'pas gué force encore, l'pas qu'à pousser. Docteur a dit le pousser, infirmé a dit le pousser, mais le senti gauche là, l'pas capable. Yo dit le pousser, pousser, mais l'pas capable. Mathieu, mon gros compte, ou après les, mon gros senti ou pas qu'à pousser encore, et mon casser les os. Dis Jésus, Mathieu, m'casser les os, oui. Mais petite la baga sorti non, petite la baga sorti non, m'casser les os, faut m'pousser lui, même baga pousser l'eau, petite la baga sorti. Matin, quatrième veille de la nuit, là, sont cassés les os, et petite la baga sorti, mon pas oublié, mais, ou pas besoin peur. Mathieu dit mon bagay, dans verset 25 là, à la quatrième veille de la nuit. Ça veut dire, où est qu'il est mon capitaine qui couche à la terre, souvient sa capitaine message là, Jésus apparaît à la dernière minute. Il est le sauveur de la dernière minute. Il est le sauveur, le seigneur de la dernière minute. Jésus pas paraître les bagages à commencer. Jésus pas paraître les mouns pas l'eau mal. Jésus pas paraître les situations drôles. Mais la tente l'eau pas capable encore. L'eau finit puis j'ai tout ressoussou. Et puis Jésus a fait intervention. C'est ça que fait moi aimer Jésus. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel. Jésus pas qu'à blio. Ni qu'on compte au rété. Ni qu'on situation. Ni qu'on adresse ou. Sous qui te file des joueurs dans New Jersey, qu'on adresse ou. Sous qui te New Jersey ou Almeryland, ni qu'on compte au rété. Ne chaque adresse, ne chaque côté, ne chaque situation. Ou mettre en Haïti, ou mettre dans toute Caraïbe là, ou mettre dans Moyen-Orient, ou mettre dans Amérique centrale, Amérique du Nord, Amérique. Jésus qu'on adresse, c'est ça moi, mais Jésus qu'on adresse moi. Ah, c'est très important, verset 25 dit, quand verset 25 là, à la quatrième veille de la nuit, Jésus prend vers eux-mêmes. Ouais, il était à la quatrième veille de la nuit, et puis il prend le marché vers eux-mêmes. Quatrième veille, ouah, la vini, oui, il est presque arrivé dans la route là, ou pas besoin de non. C'est expérience ou a fait dans la troisième, non. Il prend le débouché sur la porte de la quatrième veille, oui. C'est la quatrième veille. Et depuis où est-ce la quatrième veille là, Jésus qu'on peut attendre, oui. Et là, la tonne, oui. Texte là, donc, bagaille. Dans verset 25 là, Jésus prend les vers eux-mêmes, marchant sur la mer. Marchant sur la mer. Donc, le premier grand secret, pour garder la foi, malgré la force des épreuves, c'est pour savoir voir Jésus marchant sur la mer. Et ce n'est pas pour rien, bien aimé, que Matthieu rapporte et nous détaille ça. Car,
La mer sur laquelle marchait Jésus-Christ était une mer agitée, d'après le verset 24. On coule la mer agitée, ou te mette diver, ou après l'ombre, oui. Ah, gené quand ton diver tombé, la mer a gon profondeur tellement, ou qu'il ne doit pas quand même nager, oui. Et on pas de gars apparaît, ou pas de courner sous ta privée. Gené les gon vent, gon courant, qu'on prend, lui faut entrer dans le fond de la mer, oui. Ah, gagne les gens au courant qui n'est la vie, ah, et l'autre des courants n'est la vie, ah, les contraintes, moi-même avec vous, quand nous pas t'a doit aller, et mais la vie a bon courant la donne, et ça qui est chrétien, c'est pour nous rester attachés à Jésus, c'est pour nous marcher de l'humilité, marcher de la persévérance, marcher de la communion fraternelle, marcher de la prière, parce que gagne des courants la vie, ah, qui est capable de traîner, on compte pas doit aller, les contraintes, non, gagne des côtés, gagne des maillets, ouais, c'est pas maillet, l'autre doit faire, son courant, mais non là, bon, quand on va arrêter, son courant, mais non là, bon, expérience, soit fait son courant menu là et que des côtés c'est seul Jésus capable de retirer parce que courant ça fort bon courant dit nos zones l'homme par contre si la mer en Égypte y'a dit des pour le bateau paraît nos zones ça bon courant des pour elle les bâtiments et mais c'est aller là les net pas de rien qu'à sauver le bâtiment ça et mais c'est exactement ça que des courants la vie les râler nous si l'homme pas de moyens pour aller retirer le bâtiment quand elle vivait là seul Jésus capable de retirer quand on tombe là seul Jésus et ça qui est bal gloire bal honneur c'est lui même qui est capable, c'est lui seul qui a délivré, c'est lui seul qui a donné. Je remets Jésus pour ça. Alors, pas oublier, Matthieu dit, la mer là, t'es agitée. La mer là, dans le langage théologique, lui symbolisait le monde. Gardez le monde là agité. Gardez les ou même son propre agitation pour contour. Non, moi agité en dedans. Gardez les scènes foyer agité. Manquez compréhension. Gardez les scènes dans l'église ou l'église à qu'on agité. Gardez les scènes dans le pays où on est les pays d'Haïti agité. Les agitations après à cause de mouvements populaires où on est qui s'accorde vivre. Mais gardez parfois, la mer là agitée. La mer là c'est contre-orité. La mer là c'est en dedans. La mer là c'est situation à traverser. La mer là agitée. Et d'après le verset 24, comme nous connaît, la mer agitée est symbole de problème. La mer agitée est symbole du monde agité. La mer agitée est symbole de remous politique, des agitations populaires. Et mais la mer agitée. Donc, Jésus marchant sur les eaux. Malgré l'agitation de la mer, Jésus marchait sous lui. Béni soit l'Éternel. Mbabeze kon je wa agité dans problème ou mais Jésus a marché sous problème non. Yo pas dit Jésus marchait sous ou non, mais Jésus a marché sous vous. Jésus voulait marcher sous lui, mais lui il pas marché sous vous. Pour qui ça? Parce que lui il est le chemin, vous n'êtes pas un chemin. Et c'est que Jean rapporté dans Jean 14 verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Malgré la mer l'a agité, m'pas konn combien problème ou agité, m'pas konn comment douleur la yé, m'pas konn combien opération fait déjà, mais docteur a promet ou pas l'opérer, m'pas konn comment senti santé, m'pas konn comment senti douleur, m'pas konn comment senti problème là, tumeur là, cancer là, m'pas konn comment lié ou sent ou agité. Malgré le bibou, malgré le champ d'espérance, malgré le nom de Jésus dans l'œuvre, mon sang tout troublé, ou sans tout bouleversé, ou sans tout manquer la paix, ou sans tout agité, mon pas besoin de peur. Mathieu dit, pendant la mer agitée, à qui ça loin Jésus fait? Je Mathieu était là, oui, Jésus marchait sous de l'eau. Amen, oui, Jésus marchait sous de l'eau, oui. Ça voulait dire oui, elle dit Jésus marchait sous de l'eau. Cela veut, ça voulait dire tout simplement que Jésus a marché sous problème. Non. Mathieu ou même qui ont problème, même Jésus t'a marché sous de l'eau, lui qui a marché sous maladie ou là. Li ka marcher sous douleur là, li ka marcher sous déception yo, li ka marcher sous misère là, li ka marcher sous raser yo, li ka marcher gen bagay ou pa ka di moun, ou ba moun ou apparence, mon gon bagay ou traverser, ou traverser de l'eau, ou dans la mer, ou dans du feu, bagay la droite, situation aconie, même Jésus te marcher sous droit, li ka marcher sous problème yo, li ka marcher sous déception yo, li ka marcher sous épreuve yo, li kon délivrer, li kon tendre, li kon changer situation, même yo marcher sous droit, Matthieu amdou, prophète, que me fait, gen courage, Jésus a marché sous de l'eau, Jésus a marché sous de l'eau, et ça pirette, pendant Jésus a marché sous de l'eau, disciples yon vin connaît, n'est-ce pas, yon vin connaît que Jésus marchait sous problème, non, Jésus fait des problèmes dans Mashpiel, Mathieu m'a besoin de problème, ou, Jésus a fait problème, ou, Mashpiel, ou gué longtemps pour qu'on délivre, ou, t'en délivre, et mais Jésus voulait faire des problèmes, ou, Mashpiel, Jésus marchait sous problème, non, Jésus fout les problèmes dans nos pieds, Jésus piétine les problèmes, non, pour ne pas faire fouiller qu'avant, problème n'était fort souffrir, problème n'était fort dépaler, problème n'était bouleversé. Problème n'était faut agiter, problème n'était faut appeler, ou crier dans la nuit, ou crier la journée, ou marcher dans toute activité, ou attendre nos bagages, problème n'était faut
fort souffrir. Mais avant Jésus délivre, la marcher sous problème, la promettre problème dans sa te faire. Problème dans te fort souffrir. Li fort père du mari, li fort père du madame, li mettre en problème, li mettre en douleur, li mettre en situation. Avant Jésus délivre, c'est pour marcher sous problème, pour qu'on ait Jésus qui pouvoir. Jésus marcher sous problème. Et là, Jésus marcher sous problème, gon bagay qui rivait. Vous pouvez reconnaître que Jésus-Christ, il est le dominateur suprême. Amen. L'organe de Jésus qui a marché sous problème. Jésus pour qu'on délivre, non? Attention. Ou pour qu'on délivre, non? Mais la marché sous problème, moi. Des moun là, Jésus gantant, ou vit dossier, là. Même là, pour qu'on guérit. Même là, pour qu'on j'ai une délivrance, là. Même là, pour qu'on j'ai une travail, là. Même là, pour qu'on j'ai un nouveau toucher. Mais Jésus a marché sous problème, non? Et c'est la marché sous problème, non? Ou pour le reconnaître, n'est-ce pas, la domination suprême de Jésus sous problème, non? Ça veut dire, Jésus, il a le pouvoir sur toutes choses. Rien ne peut s'opposer à la toute-puissance de Jésus. C'est ça que tout chrétien doit connaître. Jésus est au-dessus de tous les problèmes, quelle que soit leur nature. Mathieu, m'a qu'on nature au problème, non? Jésus a marché sous lui. M'a besoin qu'on ait Jésus a marché sous lui. Mais les disciples de Christ, au lieu de voir Jésus-Christ comme le dominateur suprême, ils auraient de préférence un fantôme. Au lieu pour voir Jésus comme le dominateur suprême, et qui ça y aurait? Ils auraient un fantôme. Qu'est-ce que fantôme? Un fantôme est un esprit. Un fantôme est un revenant. Ou bien, c'est l'apparition d'une personne morte. Un fantôme, c'est capable d'esprit. Un monde qui était mort, qui retourne à la vie. Alors, en Haïti, on croit de la réincarnation. Nous, les croyants, nous ne croyons pas de la réincarnation. Nous connaissons des gens qui sont qui croient de la réincarnation. Qui croient? Moi, je ne crois pas. Et moi-même, je ne suis pas. Parce que je prie, si je suis maçon qui attendait, vous pouvez accepter Jésus. Je ne sais pas, ça ne pas qui laisse. Mais si tu as quelques maçon, qui remet bon Dieu tout, et qui remet la Bible, qui remet chrétien yo, je connais ça parce que je suis maçon mes amis yo, depuis Haïti. Et même qu'on est converti et qu'on est mouru. Si vous êtes maçon capitaine de mon cher, vous pouvez faire la paix avec Jésus-Christ. Donc, ça me dit là, un fantôme c'est capable bon esprit, c'est capable bon revenant, ou bien c'est l'apparition d'une personne morte, et on connaît dans mentalité par nous, des gens qui pensent que mourir pourtant on n'a pas mouru. Mais là, si vrai tout, certaines fois, Satan qu'on utilise plus à un monde et puis là, pas l'avoir. Et c'est que les chrétiens n'ont pas besoin de connaître ces gens mourir pour venir pas l'avoir. Parce que depuis que les gens finissent de mourir ou enterrer, ils n'ont pas besoin d'entendre encore. Ils n'ont pas de contact avec encore. Ils n'ont pas de contact avec eux. Ils n'ont pas de contact avec eux. Ils n'ont pas de contact avec eux. Certains utilisent l'image, ils n'ont pas utilisé visage pour venir pas l'avoir. Et c'est qu'il y a un pile de monde qui n'est pas converti. Ils ont dit, moi, j'ai un tel hier soir, oui. Moi, j'ai un tel travail à tel côté. Ou bien, moi, j'ai un tel marché à tel côté. Non, le chrétien l'a fini de sauver. Depuis que les gens n'ont mouru, ils n'ont pas de rêve normal ou capable. Même qu'on n'aime pas de contact avec eux encore. S'ils devaient être convertis, ils connaissent mon aller, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, en attendant pour quoi attendre la résurrection. Mais, s'il pas converti, m'pas kon côté lié. M'pas kon côté lié, non seulement, y a mettel dans dépôt pour le temps de jugement. Et si c'est tout, yon, tout, yon, l'igène, c'est travail, là, le travail. Et ça, que si bon moun kap tande m'la, c'est attrissu pour qui ton moun tout, yon, pour l'alfant travail. Pour le mettre dans boutique, pour le mettre dans magasin. Yon kon pren intelligence, moun, yon, puis yon mettel sous petite paro, sous moun paro, oui. Mais moun ki nan Jésus, pas qu'a fait le radot, qu'on sa béni soit l'éternel. Et ça que fait, alors, m'capable, monsieur, ouais, bon fantôme. Donc, fantôme, non, est-ce que son esprit? Est-ce que son revenant? Est-ce que son monde qui t'est mouru? Qui paraît encore? Des monde qui quand mouru paraît, oui. Bon femme qui dit pendant la marche, m'a qu'on est bon, bon cimetière de pas au près. Et puis pendant la marche, l'on belle, monsieur. Pendant dit l'on belle, monsieur, ya. Et puis monsieur a dit, est-ce qu'on t'avait accompagné, moi, pour aller avec? Mais il dit, monsieur, mais qui compte aurait été, monsieur a dit, mais l'arrivée, ouais, ouais. Eh, mais, mon dame, non, tout le monde doit aller. Mais nous, son belle, monsieur, bien frais, bien, bien, génial. Il marchait. Mais loin, monsieur, entrer dans le cimetière. Mais pour moi, je marche avec un monde, mes amis. Pour un monde, entrer dans le cimetière pour suivre ça. Mesdames, mesdames, ça, c'est terrible. C'est terrible, mais je dis l'entrée quand même. Mais qu'elle est bon bagaille tout, là, on va gagner Jésus, qu'elle bagaille cap pousse, qu'elle bagaille wap fait pas fort tout, non. Et c'est qu'elle est quand on arrive sous, on va gagner Jésus. Ah, il y a, mais non, côté, on va de, mais non. Il y a très non, côté, on va de, t'es ça, qu'on baisse Jésus, ou même capteur de matin, voilà. Et dame, entrer dans le cimetière, l'aile rentrer dans le cimetière, et puis monsieur à devant, monsieur à parler. Et puis il t'en a un petit bout de, et puis il vire, regarde le visage, regarde derrière, l'aile regarde derrière, lui pas rien, puis l'aile regarde devant, lui ouais, c'est monsieur à couvrir bagaille, côté il était couché dans 5 heures là, qui rentrait dans la place côté autant de là. Madame n'a saisi, lui dit, m'pas qu'on comment le faire sortir, et mais il dit, ouais, son monde mourit, ça veut dire son monsieur était tué, son monsieur était tué. Et mais l'aile vire figuille, li pas, monsieur, et puis l'aile garde le bagaille là, c'est moun qui ouvre côté où te mette là, et puis l'entrée là-dedans. Et moun côté, nek ça, t'es prêt à le coucher avec femme ça, un homme qui mourit. Y'a des moun, l'on pas converti, ou fait sexe à moun qui mourit, oui. À
attention, oui, là, on nous convertit, on comprend son jouet, ou quand on belle femme menou, et pourtant son vieux 6 millions, pas qu'on compte lié, oui, là, on va convertir, on a des bagages qui arrivent, oui, faire couper, faire, oui, maintenant, nous, quelque soit puissance, ou bien, tout le monde, on a l'évangile, on va pas que puissance, non, papa. Alors, les messieurs, ouais, bagages, ça, n'est-ce qu'on dit son fantôme, son esprit, son revenant, et mais, son monde qui démourit, retourner dans Matthieu chapitre 14, le verset 26. Voilà pourquoi, monsieur, ont peur, yo peur, et ont poussé des cris de désespoir. Pour eux-mêmes, fantôme n'a pas le fait, yo, n'est-ce pas, ça le fait, yo, mal. Fantôme, ça, fantôme, ça, li pral fè yo mal, et nèg yo senti la vie yo menacé, gen de bagay ou la vie menacé, oui, avec l'apparition de ce fantôme, ça arrivait souvent dans la vie chrétienne. Les chrétiens, devant la force des épreuves, nous connaissons pas contre si Jésus est assez puissant pour le masser sous épreuve, yo, nous murmurer, nous plaigner, nous frapper à toutes sortes de portes, et nous mettez de côté la porte de Jésus pour nous trouver solution. Donc, pour garder la foi devant la force des épreuves, il faut tout d'abord savoir, voir que Jésus-Christ peut, n'est-ce pas, faire de tes épreuves son marche-pied. Jésus-Christ marchait sur les eaux. Donc, matin, je dis, mon Dieu, merci, je t'ai seulement considéré avec vous le premier grand secret pour garder la foi malgré la force des épreuves, c'est savoir voir Jésus marchant sur la mer. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fortifie, que mon Dieu assiste. Je pense que je t'ai privé plus loin, mais c'est comme ça, mon Dieu voulait. Ou même quand tu as des matins, on a un problème, on a une douleur, on a une situation, la mer agitée, on sentit des bagailles drôles, et on attend Jésus, mais là, on a perdu la foi. C'est fantôme moi après même la négio. Prends courage matin, qu'un de ferme. Et bon garantie, si c'est la quatrième belle oyer, Jésus a visité. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie. Et avec la paix de Dieu. C'est donc...